Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer les différentes étapes pour poser un Velux, évidemment en tant que simple amateur, car oui, dernièrement j'ai eu la chance de poser mes premiers Velux, donc j'ai demandé à mon pote Arthur de m'accompagner et on vous a filmé tout ça, c'est parti. Allez, c'est parti. Alors la première étape que vous venez de voir consiste à fabriquer le chevêtre qui entourera le Velux. Donc oui, je sais, au début ça fait un petit peu peur de couper les chevrons, mais faut savoir qu'ils sont cloués par le dessus avec les latatoires et ça tient largement. Et une fois le chevêtre terminé, il faut enlever le pare-pluie ou l'écran sous toiture, ainsi que les latatoires et les tuiles tout autour du Velux. Le Seigneur. En vrai, on va te laisser les envoyer ou pas? Non, mais tu veux d'abord sous-peser une fois, non? C'est 4 kilos. 4 kilos, ma mère. Non, non, vas-y. Je vais un plat, gars, ça. Ouais, tu m'envoies bien, par contre. Ok. Juste comme ça, à plat, ok? Vas-y. Un peu de tonus. Après la pose biscuit, l'étape suivante c'est de poser le cadre du Velux. Donc pour ça, on commence d'abord par enlever la fenêtre du Velux et ensuite on fixe 4 équerres qui sont livrés avec le Velux sur les deux côtés du cadre. Et ensuite on vient fixer ces mêmes équerres sur deux latatoires qu'on installe en dessous et au-dessus du Velux pour que le cadre ne bouge plus. Ensuite, le pare-pluie qui pendouille comme ça, on le relève, on le fixe contre le cadre du Velux et on l'agrafe tout simplement. Et d'ailleurs, cette étape, vous verrez tout à l'heure que j'ai oublié de la faire, donc je m'en rends compte en vidéo, je vous ai laissé ça. Donc là, on vient de mettre en place le cadre du Velux et vous avez vu que sur le bas, on a des tuiles qu'on a pré-percées puis vissées sur une latatoire qu'on a rajoutée. Ça arrive de temps en temps. En fonction de la taille de son Velux et de la taille des tuiles, ça arrive qu'on ait besoin de faire ça. En fait, une tuile, ça ressemble à ça. Il y a une partie et un coussinet qui vient s'appuyer sur la latatoire. Et le problème, c'est que nous, dans notre cas, notre Velux, il arrivait juste ici. Donc on a dû découper cette partie. Et donc la tuile n'avait plus son coussinet pour tenir, elle pouvait glisser. Donc là, il suffit tout simplement de percer, rajouter une latatoie ici et de visser dedans. J'espère que vous m'avez compris. En tout cas, on l'a fait comme ça et ça marche très bien. Alors une fois que le cadre est mis en place, que le pare-vapeur a été mis en place, on vient ensuite mettre le reste des pièces du Velux qui permettent sa bonne étanchéité. Moi, j'appelle ça le bardage du Velux, mais je pense pas que ce soit le bon terme à utiliser, mais je ne reste qu'un amateur. Tout ce bardage, en fait, c'est assez simple à mettre en place. On commence par le bas du Velux avec une grande bavette qui déborde bien sur les tuiles de devant.
avant et on remonte au fur et à mesure en partant de cette bavette avec les pieds sur le côté qui elles aussi viennent déborder comme il faut sur la bavette et pour finir la pièce sur le dessus du Velux qui vient elle aussi s'appuyer sur les parties sur le côté. Et en fait c'est tout simplement pour que chaque pièce fasse gouttière vers le bas, un peu comme le font les tuiles. Bref, je vous laisse découvrir ça en image et en même temps vous me verrez me rendre compte que j'ai oublié le pare-vapeur au moment de la mise en place. Il me faut la baguette là. Là la baguette. Tiens Spotfly. On a posé la bavette puis la réglette. Là on passe par les côtés. Ouais bah maintenant il y a du vent donc moi je vais pas rester là. Au fait. Ça te fait peur? Comment ça y aura un salve? Non mais c'est super froid, c'est pas que c'est fait, ça me fait pas peur. Ça il faut glisser là dedans. Vas-y montre-le aux téléspectateurs. Là. Et après tu glisses jusqu'à ce que la mousse elle se rencontre. Super ça. C'est simple non? Vous repliez ça dessus comme ça. Voilà, vous avez vu on a juste replié pour que cette pièce tienne celle-là. On fait pareil de l'autre côté. Gros gros gros. Quoi? J'ai oublié un truc. Quoi? Clairement j'ai oublié un truc. De mettre le pare-vent et tout. C'est qui ça? Bon, au final, une fois qu'on s'est rendu compte de l'erreur, bah, on a tout redémonté, on a remis en place le pare-vapeur, on a installé l'ensemble du bardage du Velux, et vu que la nuit tombait, on a un petit peu moins de rush de ces étapes, donc je vais essayer de vous les résumer au mieux. Une fois qu'on avait mis en place tout le bardage du Velux, donc le bas, les deux côtés et le dessus, bah, il fallait en fait tout simplement finir de mettre les tuiles sur le côté du Velux. Sauf que maintenant qu'on a mis en place le Velux, eh bien, la tuile qui venait avant, comme ça par exemple, eh bien, elle va être trop longue et il va falloir la couper tout bêtement avec une simple disqueuse. Et donc si là j'ai le bord de mon Velux et là j'ai ma tuile, il faut laisser un écart d'à peu près entre 3 et 4 cm pour que si jamais il y a des feuilles qui viennent se glisser dans cette rigole, qu'elles puissent partir avec le vent et l'eau et la pluie pour éviter qu'elles se bouchent et qu'on ait des feuilles tout autour du Velux. Et il suffit de faire cette étape tout autour du Velux pour qu'ils soient bien fermés et qu'ils se fondent parfaitement dans la toiture. Et enfin la dernière étape c'est de mettre en place la fenêtre qu'on avait au préalablement enlevée du cadre. Donc pour cela c'est très simple, vous la rentrez en diagonale, vous la remettez dans les charnières et hop c'est bon, ça tient. Sauf que dans notre cas c'était un petit peu plus compliqué parce que la fenêtre en fait elle est énormément lourde et on devait la monter à 3-4 mètres de hauteur au-dessus d'un établi qui lui-même était bancal. C'était une sacrée aventure mais on a réussi et finalement ça s'est bien passé. Bref voilà j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous montrer que en fait mettre un Velux ça peut paraître super compliqué mais au final c'est totalement à la portée de tout le monde. Il suffit de suivre les étapes méticuleusement et voilà au final tout se passe bien. Donc attention je répète encore une fois je ne suis qu'un amateur, je vous ai donné que des conseils. Si vous êtes un pro du Velux et que vous avez d'autres conseils à ajouter à cette vidéo, bah mettez-les en commentaire, on pourra partager ça ensemble et si vous avez d'autres questions n'hésitez pas également les mettre en commentaire. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, évidemment pensez à vous abonner si vous avez envie de suivre les prochaines vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça sert de soutien à la chaîne, ça coûte pas grand chose. Et puis en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous et bon bricolage à tous, ciao.